Ça y est, elle est de retour. Ça faisait depuis 2017 qu'on l'avait plus vue. Eh ben, elle est de retour, la Lancia Ypsilon. Ypsilon, ce n'est pas que la 20e lettre de l'alphabet grec, qui veut dire U en français. Ypsilon, c'est tout un univers de l'élégance à l'italienne. Et Ypsilon, c'est surtout le leitmotiv de l'élégance à l'italienne avec tous ces motifs ronds que vous allez apercevoir dans toute la voiture, notamment avec un petit aperçu ici. Vous avez au niveau des portières ce rond qui est là. Au niveau des aérateurs, il y a encore le rond ici. La tablette, le rond. Et un autre rond ici, celui-là, qui sert tout simplement à poser soit son gyrophare ou parler avec Sala, l'intelligence artificielle de chez Lancia. Ah oui, j'ai oublié, il y avait un autre truc rond aussi à l'intérieur, le volant, avec écrit en gros Lancia. Revenons un peu sur ce petit gyrophare qui s'appelle Sala. En fait, c'est très simple. Il s'illumine de bleu et comme ça, vous pouvez être prioritaire lorsque vous roulez. Non, Here are c'est... some cinemas. Voilà. The first one is communale. Eh ben, écoutez, l'intelligence de Lancia nous propose d'aller au cinéma. À Cosato. Eh ben, on peut aller se voir un petit film. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Qu'est-ce qu'il y a au cinéma en ce moment? Ok. Eh ben, on va rester dans la Lancia. L'élégance à l'italienne, c'est surtout le sourire. Et regardez ce sourire qu'on retrouve sur la face avant avec le logo Lancia. Et puis cette signature lumineuse horizontale qui est super stylée. Là, c'est la version mild hybride avec 136 chevaux. Il y aura la version électrique 156 chevaux. Et à venir, l'authentique version HF avec 280 chevaux. Alors, je vous ai dit qu'on allait vous emmener dans un endroit un peu particulier. Nous sommes sur le Langeoutrac, une piste du circuit de Balocco où l'on fait actuellement les tests de plein de modèles camouflés, des prototypes, des petits bijoux qui sortiront dans les années à venir. Et là, on est à bord de la Lancia Ypsilon dans sa nouvelle version électrique de 136 chevaux. Et là, je découvre. C'est 156. De 156 chevaux. Du coup, on refait? Non, non, non. J'assume entièrement l'erreur. Et là, je suis cette voiture ouvreuse. On n'est pas sur une piste de course. On n'a pas de timing à faire. C'est juste une piste qui va nous permettre un peu de tester la voiture. Alors, il a plu. Donc on ne peut pas faire trop de folie non plus. Mais la piste est assez hypnotisante. Pas trop de pièges, à quelques courbes, des virages un peu serrés parfois. Et franchement, c'est bluffant parce que on n'a pas l'impression d'être dans une voiture électrique, dans le sens où on n'a pas cette sensation désagréable qu'on a sur les électriques d'habitude, où on a l'impression d'être tiré par un tramway. Là, vraiment, c'est hyper agréable et voici la Lancia dans sa version rallye 4 avec un moteur de 3 cylindres 1,2 litre pour 212 chevaux, si je dis pas de bêtises. Et regardez sur le côté, il y a des chiffres 74, 75, 76, 83,
87, 88, 89, 90, 91, 92, non, ce ne sont pas les chiffres complémentaires, ni même les chiffres du loto, ce sont tout simplement les titres remportés par le constructeur. Alors là, comme vous le voyez, c'est la version électrique, 156 chevaux avec une batterie de 51 kWh et une autonomie de 403 km. Non, je rigole.